Coucou à tous, c'est Crime. On se retrouve une nouvelle fois pour un live sur les Sims 4. Donc, comme vous le savez, la dernière fois, on a fini le challenge du Wonder Child. Donc, on attaque un tout nouveau challenge. Donc, j'ai décidé de faire le Single Sim Challenge. Donc, c'est un challenge assez simple, hein. Il suffit en fait de prendre un Sims... comment dire, du stade bambin jusqu'au stade personne âgée, mais en ne contrôlant, tout au long de sa vie que ce Sims-là. C'est-à-dire que j'ai créé une famille avec des parents, un grand frère et donc un bambin. Et je ne vais, une fois que j'aurai lancé le jeu, je ne vais pouvoir cliquer que sur le bambin. Je n'aurai absolument pas le droit de... d'interagir avec les autres membres du foyer moi-même, quoi. Ça ne devra passer que par mon Sims. Et il y a des tâches en fait à faire, à effectuer à chaque stage de vie. Et quelques règles dès le départ. Donc les règles, c'est assez simple. On crée la famille qu'on veut. Donc un parent, deux parents, des frères, des sœurs, pas de frères, pas de sœurs, enfin... comme on veut. On doit mettre la famille sur un terrain qui vaut moins de 40 000 simflouz. Et on nous conseille de faire monter le métier des parents jusqu'au niveau 2 ou 3, histoire qu'ils ramènent un petit peu d'argent quand même chaque jour pour pouvoir payer les factures, etc. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que est-ce que quand ils sont autonomes, ils vont payer eux-mêmes leurs factures Je ne sais pas, on va découvrir ça tous ensemble. Donc, j'ai déjà créé la famille, le bambin, la maison, et on est prêt à se lancer dans le jeu. Allez, c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. Ah oui, donc je ne vous ai pas parlé des tâches. Donc, les tâches de bambin, c'est simple, hein, la tâche numéro 1, c'est de maîtriser le pot. D'ailleurs, je viens de réaliser que j'en ai pas mis dans la maison, donc comme j'ai pas encore commencé le jeu, je vais pouvoir en rajouter un. De devenir bons amis avec les parents du bambin. Et de maîtriser deux compétences de bambin. Donc, on va aller tout de suite rajouter un pot que j'ai oublié en préparant un peu la partie. Donc, bambin... un pot. Allez, un pot qu'on va mettre là dans le coin. Voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter donc le seul Sims que je vais pouvoir contrôler tout au long de sa vie. Pour faire la famille, j'ai pris des Sims qui étaient présents dans ma galerie. Et voilà, je leur ai fait faire un enfant. Donc, pour ceux qui me suivent un peu sur Twitter, vous retrouverez... Tom, voilà, que j'ai présenté il y a quelques jours en vidéo et qui est disponible sur ma galerie. Et la mère, il s'agit de Julia, qui en fait que j'ai créé lors du challenge qui consistait à créer la sœur de Bella dans le CAS, enfin de Bella, de Sonia Gothic, pardon. Donc c'est la sœur en fait que j'ai créée de Sonia Gothic. Et donc, ils ont un petit garçon qui est Clément, que j'ai fait enfant. Et le seul Sims que je vais pouvoir contrôler dans cette partie, c'est cette petite fille qui s'appelle Lola. Donc, on va essayer de lui... d'accomplir les trois tâches qu'on a à faire. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, c'est parti. Donc, maîtriser le pot... maîtriser deux compétences bambin et devenir ami avec mes parents. Enfin, c'est pas. Enfin, bref, vous m'avez compris. Donc, c'est parti pour ce nouveau challenge. Vu que tous mes besoins sont bien, ah oui, j'ai oublié un truc aussi. Dans les règles du challenge, il est conseillé de mettre le temps en... l'espérance de vie en élevé. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, le stade bambin va durer 28 jours. Allez, c'est parti, on y va. Alors, attends, on va aller voir ta mère. Enlacer tendrement, faire des grimaces. C'est limité quand même, hein, bambin. Faire un câlin.
C'est limiter les tâches qu'on peut faire avec un bambin quand même. Et puis elle court après ses parents. Bon, sa mère s'est barrée, c'est normal. Elle est partie, je ne sais où. Bah, c'est pas grave, avoir ton père sinon. Marc, c'est bien, ça va lui faire avancer sa compétence. comment dirais-je, mouvement. C'est pas mal. Alors. Non, mais je t'ai pas demandé de regarder la télé non plus. Je t'ai demandé d'aller de faire copain-copain avec tes parents. Alors, c'est que le début du live et je commence déjà à avoir la voix qui part, ça promet. Essayez. Donc ça, c'est une petite maison que je télécharge sur la galerie qui valait 36 sous, donc plus le terrain. On doit être largement en dessous des 40 minutes sans problème. Voilà. Allez, sympathise avec ta mère. Très très bien. On est déjà amis, non? Ah, mon ami, faut qu'on devienne bon ami. On va faire ça, comme ça ce sera fait. Par contre, je sais pas du tout comment ça va se passer pour demander à avoir un bain, demander à manger, enfin... J'espère qu'ils vont pas me laisser crever de faim, quand même. Voilà, c'est bien. Enlacer tendrement. Faire des grimaces. Amical. Faire un câlin. Plus de choix. Amical. Babiller. Voilà. Raconte ta vie. La relation augmente, très bien. Alors voilà. Il y a plusieurs étapes après dans le challenge. Quand on va passer enfant, adolescent, on va devoir se fâcher avec des membres de notre famille, puis se réconcilier. Puis... Donc c'est pas mal, c'est pas forcément la façon dont je joue d'habitude. Donc qu'est-ce qu'il veut me faire? Qu'est-ce qu'il veut? Apprendre à parler. Bon bah apprends-moi à parler, écoute. Hein. Pourquoi pas? De toute façon, il me faut maîtriser deux compétences. Donc, why not? C'est bien, c'est que je laisse les autres vivre leur vie. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'en ai marre d'apprendre à parler. Écoute, devenons amis plutôt. Hein? Voilà. Viens, on devient pote. Moi, je préfère devenir pote. Regardez. Ah oui, donc je peux demander à avoir un bain, c'est très bien ça. Faire un câlin. Voilà. Alors. Je suis toujours triste. Pourquoi je suis triste? J'ai toujours un... Bon bah il s'en va, c'est pas grave. Alors je lui ai mis le train indépendant, ce qui fait que je peux maîtriser le pot toute seule. Sans attendre que tout le monde vienne m'aider. Non, j'ai pas besoin de toi. Pourquoi tu me prends dans les bras? Voilà, je vis sur le pot toute seule comme une grande. Et voilà. Voilà, super. Alors je m'occupe pas du tout des autres hein, qui sont quand même livrés à eux-mêmes, mais bon, c'est le principe. Attendez, je me pose juste 3 secondes. Que je me rends compte que je rame un petit peu. Donc, on va faire mes 2-3 trucs. Voilà. Attendez, je m'excuse, hein, je fais une petite pause pour vérifier pourquoi. Voilà, c'est très bien. Allez, on y retourne. Ça devrait être un peu plus fluide tout ça. Voilà. Donc j'en étais toujours à apprendre le pot, ça va aller vite. J'avoue avoir choisi le train indépendant exprès pour ça, pour pouvoir apprendre toute seule comme une grande. Voilà, magnifique, je suis contente. Alors le plus long, je sens, ça va de devenir pote avec mes parents. Donc on va y aller tout de suite.
câlin, faire un câlin. On va pas tarder à demander à manger aussi, parce qu'après, je sais pas si vraiment j'ai la dalle et qu'ils sont pas dispo, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, donc ça c'est le grand frère. Voilà. On va faire des grimaces. On va laisser tendrement. Je commence à m'ennuyer un petit peu. Voilà, on va aller jouer un petit peu et puis après on demandera à prendre un bain. Enfin, est-ce qu'on me donne un bain? Je vais essayer d'apprendre la parole, ce sera peut-être plus facile au niveau des interactions avec les parents après. Donc, Allez, c'est parti, vas-y. Vas-y mon petit. Voilà, donc j'ai laissé les autres se débrouiller. J'ai donc choisi un métier pour les deux parents et je l'ai monté jusqu'au niveau 3. Qui rapporte un petit peu d'argent aussi. Elle en a marre. Pourquoi elle en a marre? Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Allez, on bosse un peu. Regarde même ton frère, je m'occupe pas de lui et son niveau il monte plus que toi. Alors. J'ai l'impression que je rame beaucoup, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais. J'ai OBS qui devient tout rouge. J'ai rien de spécial de brancher, je comprends pas. Bon, j'espère que ça rame pas trop, je sais pas si. Je sais pas, j'espère que ça rame pas trop pour vous. Alors, on en est où? On va bientôt apprendre. Après, on va aller faire. Allez, on va aller voir la mer. Pas plus de choix amical. Tu peux pas me donner à manger. Non. Elle peut pas me faire manger. Je vais crever la dalle en fait. Bah, arrête de faire ça, viens ici. Tu peux pas demander de me. À boire peut-être. Je vais à boire. On va demander à boire, ce sera toujours ça le prix, mais. Manger. Voilà, j'ai trouvé. Allez. C'est plutôt peinard finalement comme challenge d'avoir que qu'un Sims à s'occuper. Voilà. Oui, alors il se passe quoi une fois que je t'ai demandé à manger? Tu vas ou tu vas pas? Amical. Non, tu vas pas, hein, on est d'accord. Boire alors, donne-moi quelque chose. Ouais, ils sont tous contents d'eux-mêmes, mais il n'y en a pas un qui me file à bouffer, quoi. Ah, donne-moi un biberon, s'il te plaît. Elle dit oui, mais elle fait rien. Hein. Ah si, ça y est, elle va m'asseoir sur la chaise haute. Oh, la galère que ça va être pour descendre de la chaise haute. Je le sens. Je sens. Ah oh bah, comme ça, elle me donne pas du tout à manger. Elle m'assoit sur la chaise et elle me donne rien. Eh bah, ça promet. Elle m'a toujours pas filé à bouffer, hein, je vous signale. Hein, c'est. Manger, je peux manger toute seule? Non, faut que je lui demande. Bonjour, je voudrais manger, s'il te plaît. Voilà, assis-moi sur la chaise et fais-moi manger. Ah bah voilà, eh bah quand même. Donc il nous a quand même fallu 2 heures pour réclamer un truc à bouffer quoi, du yaourt avec 3 fruits dedans.
Donc ça va être compliqué. Il va falloir donc réclamer à manger avant qu'on en ait réellement besoin. Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Non, je comprends pas trop pourquoi je rame comme ça. Allez, on y va. Bon, maintenant, deuxième galère, sors-moi de là. Allô? S'il vous plaît. Maintenant, je peux pas aller ici. Ouh, ah si, c'est bon. Est-ce qu'elle va venir m'aider? Ça, c'est pas gagné. C'est comme un vrai bambin, en fait. C'est hyper compliqué de... Comment dire, de... Ah bah non, elle me passe devant, elle vient pas me chercher, quoi. Alors, attends, on va l'appeler dans tes bras. S'il te plaît. Youhou. Alors ça va être une galère. Je vais passer un temps fou à me faire nourrir et descendre de la chaise haute. On va bien s'amuser. Je commence à avoir sommeil, moi. Vas-y, lâche-moi. S'il te plaît, merci bien. On va quand même aller jouer un petit peu. Ce serait pas mal. Allez, hop. On va continuer à essayer de booster un maximum. Comment dire, la compétence communication pour pouvoir avoir un peu plus de. Comment dirais-je, de vocabulaire et de choses à raconter à mes parents pour devenir amie avec eux. Allez, voilà, je suis contente. Et quand je serai fatiguée, j'irai dormir. Tiens, il y en a bien qui va me lire une histoire, toi. Allez, viens me lire une histoire, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Dodo. Allez, viens me coucher. Voilà, voilà, voilà. Hop là. Voilà, on va continuer à chercher. Okay. On s'en fiche, de toute façon, on contrôle des émotions du frère, c'est pas notre problème. J'ai l'impression quand même que je rame beaucoup, donc je pense que je vais couper le live juste 2 minutes, le temps de relancer un peu le... la machine et je reviens tout de suite parce que je pense que ça vient de là, donc je suis désolée, je reviens dans 2 minutes, le temps de relancer tout ça. Donc, désolée, c'est de nouveau crime. Donc, je pense, résolu le problème de lag, ce qui devrait être beaucoup mieux pour vous. Par contre, visiblement, OBS en a ras-le-bol de ma tronche parce qu'il ne veut pas m'afficher la caméra. Donc, ce sera un live sans cam. Bon, ce n'est pas très grave dans l'absolu, hein. Mais voilà, je sais pas, je viens de passer 10 minutes à essayer d'afficher ma caméra, mais visiblement, il ne veut pas, donc on va finir ça sans les images. Hein. Après tout, l'important, c'est que vous puissiez voir le jeu, hein, moi, ma tronche, après tout, on s'en fout un peu. Donc, pour les retardataires qui viennent d'arriver, on retourne dans la famille qu'on a créée.
Avec le bambin qu'on est le seul sim à pouvoir contrôler, j'ai une grosse galère pour me faire nourrir, hein, parce que le temps qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle me mette sur la chaise haute, qu'elle le fasse, après le temps qu'elle me sorte à manger, le temps qu'elle m'enlève de la chaise, j'y ai passé l'après-midi, hein, mais bon, j'ai réussi, elle m'a nourrie et je ne mourrai pas de faim au bout de la première journée. Ce sera un petit peu ballot quand même. Ce serait un petit peu ballot. Donc, bah voilà, écoutez, on est de nouveau là. Comment dire? Je crois que je suis revenue au début. Oui, bon, je sais pas, on s'était pas arrêté là, mais c'est possible que... Il est fort possible que j'ai oublié d'enregistrer. C'est une possibilité fortement envisageable. Donc c'est pas grave, on reprend à zéro. Donc comme ça, pour ceux qui n'étaient pas encore là, au moins vous êtes là. Et puis bah voilà, écoutez, on va voir si on y arrive ce coup-ci. Donc je ne peux contrôler que ce bambin. Du coup on repart tout à zéro. Écoutez, j'avais pas fait grand chose. Il va falloir devenir amie avec mes parents. Donc c'est parti, on recommence, enlacer, faire des grimaces dans tes bras. Amical, faire un câlin. Voilà, babou. Allez, c'est parti. Oh, j'ai l'impression que je rame, mais grave. Je sais pas si chez vous ça le fait, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça lag beaucoup. Donc je ne sais pas, dites-moi. Moi j'ai l'impression que. Enfin, que ça lag. Je sais pas. On va continuer, on verra bien. De toute façon, il n'y a pas un live qui se passe bien. Je veux dire, où j'ai pas de micro, où j'ai pas de caméra, où il y a quelqu'un qui débarque pendant le live, où le jeu se lance pas, où OBS m'en veut. Donc, de toutes les façons, un jour, j'arriverai à faire un live nickel chrome avec du son, de l'image, de la lumière. Enfin, un truc de folie, mais pour l'instant, j'avoue que c'est pas le cas. Et puis là, je rame, mais grave, et je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que je suis en région parisienne, donc il a pas mal neigé aussi ces deux derniers jours. Donc, est-ce que la neige, je ne sais pas, joue sur ma connexion. Il n'empêche que je vois bien qu'OBS est tout rouge. Et du coup, j'ai l'impression que ça lag chez vous aussi. On verra bien, on verra bien. On va continuer donc. Voilà, on a C, faire des grimaces. Et puis on va recommencer ça, sans fin. Tu vas aller t'amuser un petit peu, apprendre la compétence. Voilà, regarder les vidéos. Alors. Voilà, très. Voilà, on va prendre la compétence sociale pour essayer d'avoir un peu plus de choses à raconter à mes parents pour que j'avance. Donc, parce que je rappelle les tâches que je dois effectuer en tant que bambin, maîtriser le pot. Ah punaise, j'ai pas acheté de pot, je vais aller en acheter un. Donc maîtriser le pot et deux compétences bambins et devenir bons amis avec mes parents. Donc attendez, on va l'acheter un pot tout de suite. Hop, enfant, machin. Le pot. Voilà. Allez, c'est parti. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai mis la compétence
c'est pas la, enfin, pas la compétence. Ah, j'ai mis le trait indépendant, donc elle doit pouvoir aller aux toilettes toute seule. Ce qui peut m'arranger, parce que quand je vois la rapidité avec laquelle ils me nourrissent, je me dis que si je les attends pour aller au pot, je vais faire dans ma couche toutes les 5 minutes. Allez hop, on va accélérer un petit peu. Bah c'est pas moi la mère indigne, c'est eux. Enfin, je veux dire, moi je suis là en train de réclamer, je voudrais faire caca, je voudrais manger, et il n'y en a pas un qui bouge, quoi. Tu vas voir, je vais demander à manger tout à l'heure, tu vas voir l'angoisse que c'est de demander à manger, quoi. Moi, je demande que ça, qu'on s'occupe de moi, mais... Ils ont pas l'air motivés, les trois, là-bas. Regardez des dessins animés à la télé, très bien. Mais me donner à manger, ça fait pas partie de leur priorité. Allez, on va aller faire un petit tour sur le pot. Voilà. Et puis après, on va réclamer à manger. À voir s'ils me donnent ou pas. Hop, et un premier point. Allez, hop, on arrête pour aujourd'hui. Je voudrais pas que tu te fasses dans la couche. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Ouais, t'as vu se délier, très bien. Tu vois, là, j'ai faim, donc je vais demander à manger après. On va voir ce que ça va donner. Je peux très bien mourir de faim le premier jour du challenge. C'est tout à fait dans mes capacités, je veux dire. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Hein, je... Bon, t'en es où? T'en passes du temps sur ce pot, c'est pas possible. Allez. Voilà, et maintenant on crève la dalle. Allez, magnifique. Donc, lui, il n'est pas occupé, on lui demandait à manger. Parce que... La mère, tout à l'heure, c'était pas gagné. Hop. Ouais. Voilà. Ok, il a dit ok. Maintenant, il faut qu'il y aille. Voilà, c'est très bien. Donc, je rappelle, je peux pas contrôler... Je peux pas contrôler les autres sites. Oh bah alors, il est vachement plus efficace que sa femme parce qu'il m'a donné à manger tout de suite. L'autre, il a fallu que je réclame 40 fois. Donc on va voir s'il m'enlève de la chaise aussi rapidement qu'il m'y a mis. Voilà. Voilà, je fais le bazar. Très bien. Voilà, très bien. Donc maintenant j'ai fini de manger, j'aimerais qu'on me descende. S'il vous plaît. Toi, la dame, là-bas, vas-y, prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. Je voudrais descendre de là. Voilà. Ouh, madame. Allez, on y va. Parfait. Et donc, comme on a sommeil, peut-être de demander une histoire. Bon, ça va être possible, ça. Histoire. Bah, écoute, puisque t'es là, tu vas poursuivre. Bonjour, je voudrais qu'on me raconte une histoire, s'il te plaît. Bah, tu peux pas résister à une tête pareille. Non mais la chaise haute, c'est un vrai problème. Hein. En temps normal, j'en mets pas. Mais là, si j'en mets pas, je mange pas. Donc, Oula. C'est quoi, c'est un truc chelou, là. Je voudrais que tu me couches, s'il te plaît. Voilà, alors... Tu peux pas me coucher. J'ai pas mis le lit dans le bon sens, c'est ça que t'es en train de me dire. Bah vas-y, dis-le. Écoute, il y a que ça, on va déplacer ton lit. Ouf. Allez, tourne-toi. Oh, ouais, écoute, t'as qu'à le mettre là. On sent... Ah non, c'est pas joli là. Voilà. Ouais, maintenant tu peux me coucher ou pas?
Oui, j'ai eu un peu de mal à placer le lit, je ne sais pas, ma souris... Ma souris déconne un peu, mais... Mais qu'est-ce que je fous dehors, moi? Je ne sais pas. Il se passe des choses bizarres dans ce jeu, je pense que c'est pas ma soirée. C'est pas vendredi 13 pourtant, mais... Je sais pas, je me retrouve dehors, on sait pas pourquoi. C'est la magie des Sims. Il se passe des choses un peu cheloues. Donc là, voilà, c'est bien, t'as trouvé le chemin jusqu'au lit. Tu vas me lire une histoire et après je vais dormir. Voilà, j'ai survécu à mon premier jour de bambin. J'ai les fesses propres, l'estomac plein, magnifique. Voilà. Donc voilà, moi je dors, je laisse les autres faire leur vie, je sais pas ce qu'ils font. Bah, ils débarrassent, c'est bien, ils sont sympas. Voilà, ils regardent la télé, moi je continue à dormir. Voilà, on s'en fiche. Alors. Voilà, ils se font des câlins. Le frère est parti se coucher aussi, très bien. Les parents se disputent, magnifique. Si vous pouviez être divorcé avant que je devienne bon ami avec vous, ça m'arrange quand même. Parce que moi, après, si je loupe mes tâches de bambin, je suis pas bien. Et si tu pouvais mettre la bouffe au frais aussi, parce que bon... Comme ça, quand j'ai faim, c'est prêt. Je sais pas, ça fait 4 fois qu'il fait à manger, on sait pas pourquoi, mais... Pour aller prendre un truc dans le frigo après. Ouh là là. Alors lui il est mignon mais il est un petit peu con quand même. Hein. C'est... Voilà, pour au final bouffer un bol de céréales. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. On ne peut pas être beau et intelligent et logique. Et faut faire des choix. Et visiblement, il n'a pas choisi l'intelligence. Bon allez, on accélère un peu. Allez, va te coucher là, que je puisse passer en vitesse. Voilà. En vitesse ultra. Là. Voilà, il y en a un qui se couche et l'autre qui se lève. Tu peux rien en faire de ces Sims, sans déconner. Il n'y en a pas un qui te facilite la vie, quoi. Allez. Bah, va aux toilettes et retourne te coucher. Ah, moi j'ai la dalle par contre. Donc il y en a un qui me nourrisse. Dès que je me lève. Puis je sens qu'ils vont partir bosser, donc... Je sais pas si je dois aller à la nounou, ou si je dois... Enfin, si je dois aller à la garderie, si je dois faire venir une nounou, je sais pas trop. J'ai peur que la nounou, ça soit pire que les parents. Tiens, je viens de me rendre compte qu'ils ont pas de papier peint dans la chambre. C'est quand même magnifique. J'avoue que j'ai pas regardé ce détail, hein. C'est une maison que j'ai téléchargée sur la galerie, ça devait être un CC, le papier peint, j'imagine, ou alors ils en ont pas mis. Je ne sais pas. Bah, c'est pas grave. C'est old school. C'est maison et travaux en mode construction. Bon, pas chipoter. Oula, j'ai très envie d'aller aux toilettes, moi. Allez, hop, fini de dormir. On va aux toilettes. Après, on ira réveiller les parents pour manger. Avant qu'ils se barrent bosser, surtout. J'en ai mis un dans les affaires, l'autre astronaute. Je sais pas trop ce qu'ils ont comme horaire, mais... Et je commence à avoir sacrément la dalle. Il n'y a pas un qui est debout là. Ah bah si, il y a ma mère qui est réveillée. Allez. Voilà, bonjour, j'ai faim. Plus de choix, amical. Il n'y a pas mangé. Alors ça c'est aléatoire aussi. Qu'est-ce que je lui demande? Tu peux pas me mettre... Manger, voilà. S'il te plaît. Merci madame. Eh ben alors s'ils mettent le feu, c'est mort. Enfin je sais pas trop. Il n'y a plus qu'à espérer, comme ils sont en autonomie, il n'y a qu'à espérer qu'il y en ait un qui ait la présence d'esprit de l'éteindre. Hein, mais en attendant, je ne peux pas les forcer à le faire. Déjà, ils me donnent... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me donne à manger et elle me l'enlève. T'as pas honte de retirer... Voilà, et donc elle se barre. Donc en fait, je me retrouve coincée sur la chaise haute. Vu que le père dort, la mère se barre. Ah non, ça va. On est sauvés.
Sinon, les mecs, ils te laissent le bébé sur la chaise haute et ils s'en foutent. Voilà. Merci de me faire descendre dès que j'aurai fini de manger. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut parler. Non, tu lui parles pas, tu lui demandes de te descendre. Voilà, allez. On parle un peu, tu me diras, ça fait... Voilà, super, il a compris. Même le Sims, il est content. Ah voilà, ma maman. Non, on veut pas d'écouteurs. Merci. On veut pas de démarcheurs chez nous. Alors, elle est où la tablette? Elle est là. Allez, continue. S'il te plaît, on en est où? On n'en est pas très loin. Hein. Heureusement qu'on s'est mis en durée de vie élevée parce que sinon, on n'était pas rendu. Ça aurait été drôle. Toi, t'es vraiment un sadique, toi. Hein. Tu veux vraiment que je me retrouve la journée sur la chaise haute comme une cruche? Sans pouvoir rien faire, quoi. Comment tu veux que j'avance dans les challenges, sans déconner? Après, on s'étonne, je fais des scores pourris et tout, mais... J'ai des Sims, ils sont pas très aidants. Allez, hop, on va accélérer un petit peu. Alors, du coup, comme je n'ai pas regardé les horaires avant, je peux pas cliquer sur le père pour savoir à quelle heure il part bosser. Hop, préparer, on s'en fiche, de toute façon, tu vas pas gagner de... Tu vas jamais avoir de promo puisque tu vas pas bosser tes compétences toute seule. Hein, faut pas rêver déjà quand on vous demande de les faire, vous les bossez pas, donc c'est pas quand vous êtes en totale autonomie que vous allez bosser vos compétences, les gars. Allez, on avance. Qu'est-ce que c'est? Il est devenu comédien, il y avait autre chose. Voilà, il sait pas quoi faire de ses journées. Tu veux pas la laisser. Tu me diras, elle apprend la compétence en communication. Donc, qu'elle la prenne sur sa tablette ou en te regardant. C'est pas très grave. Alors. On va accélérer un peu, je sais pas où il est. C'est que la barre de propreté descend doucement parce que je sens que ça va encore être une galère sans nom de leur demander de me laver. Clément est rentré à la maison, d'accord, magnifique. Bah, il va falloir qu'il se démerde tout seul avec son projet scolaire parce que c'est pas moi qui vais l'aider, mon gars. Voilà, trois communications. On va peut-être pouvoir parler un peu plus avec ses parents, non? Parler de camion, voilà. On parle de camion, on dit n'importe quoi. On parle de jouer. Plus de choix amical. Je peux demander des desserts. Un livre, s'il te plaît. Tiens, lis-moi un livre, s'il te plaît. Tu me lis un livre? Allez, lis-moi un livre. Non, elle veut pas. Bon. Allez, on va continuer à parler. Le but, c'est qu'on devienne amis. Non, pas ça, je veux pas me lever. Plus de choix. Amical. Parler de jouer, du choix amical, faire du support visuel, ouais, apprendre les besoins de base. Voilà, on va pas le festival, la mère est rentrée, je sais pas du tout à quelle heure travaille le père, on verra bien. La mère, bah, ça doit être un 9h-17h, hein, ça doit être les horaires de bureau. Il sait lire, bah, je sais pas si c'est lire, il est beau déjà, il peut pas... On lui a pas demandé s'il était allé à l'école, hein. C'est pas non plus... C'était pas la priorité, quoi. Il sait pas lire. Écoutez, les livres pour enfants, c'est beaucoup d'images, hein, ça peut le faire. Hein. Alors... Regarde, les images, il connaît. Voilà, biberon, tout ça, tu vois... Mais... Grosse maîtrise, hein. Allez. Voilà. Ouh, faut que j'aille aux toilettes, excusez-moi. Allez, hop, arrête de me parler, laisse-moi aller. Je parle de mon Sims, hein, bien entendu. Allez, sur le coup. Moi, j'ai pas de couche ni d'envie pressante. Promis. Et après, on va aller dormir. Elle était pas contente.
Ouais, allez, encore un point et on maîtrise et on aura atteint la première tâche. Eh ben, je sais pas trop, c'est pas précisé dans les règles, donc est-ce que je l'envoie à la garderie ou est-ce que je fais venir une nounou? Je sais pas. J'ai peur que la nounou, elle, comment dirais-je, elle m'abandonne totalement à moi-même et que voilà, donc je sais pas. J'avoue, on verra bien. Astronaute, avec un peu de chance, il a pas les mêmes horaires. Mais enfin, ça, je peux pas le voir. Est-ce qu'il y en a un qui veut me lire une histoire, s'il vous plaît? Allez, toi, hier, tu l'as bien fait. Lis-moi une histoire. Lâche le frigo. Bah non, elle lâche pas le frigo. Ah, ça y est, elle arrive. Magnifique. Qu'est-ce que c'est beau quand ça marche. Allez. Astronaute, il doit bien y avoir des horaires de nuit dans l'astronaute, non? Je sais pas. J'ai pas décidé. On peut tester la nounou, hein. De toute façon, ça coûte rien. Hein. On teste la nounou et si elle me laisse. Si elle me néglige totalement, on saura qu'il faut pas la reprendre, quoi. Voilà, elle m'a lu une histoire et maintenant je dors. Allez, les gars. Les mecs, ils font salon juste au-dessus de mon lit, quoi. Bah, c'est pas comme ça que je vais dormir, les gars. Voilà, elle a appris à cuisiner, c'est magnifique. Ah, j'ai faim, j'aurais peut-être dû manger avant, parce qu'ils vont tous aller se coucher. On verra bien. On verra bien. Si je survis au stade bambin, moi je pense que déjà, ça sera une bonne étape. Maîtrisera bien le système. On aura au moins réussi un truc. Allez. Vous voulez pas aller vous coucher tous en même temps là parce que. Oh, je vais mourir de faim. Allez, attends, c'est quoi? Arrête de dormir. Oh, bonjour monsieur. Oups, j'ai pas bloqué la porte. Bon, de toute façon, il touche pas les enfants. Allez, mangez faim. Apporte-moi à boire. Ah, ça marche. Magnifique. Oui, t'as faim, je sais que t'as faim. Va voir ton père, il va te donner à manger. Bonjour le monsieur tout blanc. Ah mais ça peut pas être pire que. Oh tu sais la nounou, c'est si ça peut être pire que les parents parce que bon la nounou des fois tu te demandes pourquoi elle est là. Ah bah voilà, je savais bien que ça allait se reproduire. Oui tu peux aller dans mon lit. Voilà donc c'était de nouveau une intrusion. Pourtant je vous jure que ce coup-ci je l'ai couché tôt. Mais que visiblement, elle n'a pas sommeil. Bon. J'ai opté pour la solution de facilité, la laisser dormir où elle avait envie. On va pas s'en sortir, je vous le dis, on va pas s'en sortir. Allez, finis de manger, toi, et retourne te coucher. Qu'est-ce qui t'a filé? Des céréales? Attends, va l'appeler. Bonjour, je voudrais descendre. Hop, avant que tu ailles te coucher, s'il te plaît. Bonjour monsieur, puis tu vas me raconter une histoire parce que j'ai envie. Une histoire, s'il te plaît. Merci bien. Oh, ça va, ils s'en sortent bien. Et qu'est-ce qu'il fait? D'accord, j'ai rien dit. Ils s'en sortent pas du tout. J'ai cru qu'il allait aller me coucher comme il faut. Mais, walou! Allez. Ouli. Voilà, ça fait monter un peu la compétence. Parce que je rappelle qu'il nous faut maîtriser deux compétences bambins en plus du pot, hein, bien sûr, sinon c'est trop facile. Ah non, te réveille pas, te réveille. Oh là là là. Ah, faut surtout pas qu'il me la réveille, elle, quoi. Voilà, réveille tes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un autre. Une autre phase de bidet qui vient. Ouf, on va pas s'en sortir. C'est un peu ça, tu vois. Mais là, ça va, parce qu'elle est juste venue me demander si elle pouvait, voilà, dormir
pas dans son lit, quoi. Donc ça va, ça, normalement, là, elle est partie s'allonger, alors on voit pas, mais... Mais bon, ça devient compliqué, moi, je ne sais plus quoi faire. Hein. Faudrait que je demande à la maîtresse s'il n'y a pas moyen d'avoir école le soir ou la nuit, parce que... Moi, bon, je peux plus, hein, je peux plus. Ah, ouais. Voilà, puis des fois, elle me dit, mais à qui tu parles, maman? Mais... Aux gens, je parle aux gens, voilà. Elle a du mal à comprendre. Ah, mais qu'est-ce qu'il a à crier encore? C'est pas possible, il élève des monstres sur son lit. Allez. Non, bah de toute façon, ils sont pas décidés à aller dormir pour que je puisse passer en vitesse accélérée. Donc on va rester en vitesse comme ça. Voilà, et encore des monstres. Tu vois bien qu'il n'y a pas de monstre, tu peux dormir, merci. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils discutent juste là, l'autre crie chaque fois qu'il voit un truc, mais moi je dors toujours et ça c'est cool. Voilà, quand j'en aurai marre de dormir, j'irai sur le pot. Toi tu vas être fatiguée avant d'aller à l'école, hein, je te préviens. Arrivée de monstre, voilà. Moi j'ai la dalle, j'aimerais manger avant que vous vous barriez par contre, les gars. Allez, ils sont contents, ils viennent me voir faire pipi. C'est bien. C'est bien, les gars. Voilà. Donc, faut que je leur demande à bouffer avant qu'ils se barrent, parce que sinon, je vais manger ma main, quoi. Et on va demander au père, parce qu'il... Le père a l'air plus doué, quand même. Enfin... Dans l'ensemble. Il réagit mieux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu lui parles de pingouin? Je t'ai pas demandé de parler, je t'ai dit que tu voulais manger. Voilà. Je voudrais manger, s'il te plaît, monsieur. Non, ben non, elle veut pas. Elle veut pas. S'il te plaît, fais-moi manger. Voilà, merci. Magnifique. Alors, on va vite manger avant qu'il se barre. Qu'est-ce qu'il me donne? La purée. Des biscuits au fromage. C'est bien. Bon, j'ai que de la merde, moi. Quand c'est pas des céréales au colorant, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il me parle. D'accord. Il travaille jamais, lui, en fait, hein. Attends, je lui ai trouvé un job, j'en suis sûre. Mais il bosse pas. Attends, je dois le voir là dans mes contacts. Il est astronaute. Ah bah voilà, là on peut voir. Il bosse de 13h à 21h. Ah bah. Et elle bosse jusqu'à 17h. Bon bah. On s'en fiche chez le frère. Allez, mange, dépêche-toi. Ça vient de descendre de là. Avant qu'il se barre au boulot. T'as fini là, non? T'as pas fini? Oh, vas-y, t'as fini. Allez, prends-moi dans tes bras. Et toujours ami, hein. Va falloir qu'on bosse un peu les relations, les gars. Allez. Bonjour, pourrais-tu me prendre dans les bras, s'il te plaît, monsieur? En vrai, même moi, j'aimerais bien qu'ils me prennent dans les bras, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Quelle heure il est? Non, bon bah. Les compétences. Non, c'est pas là, je me suis trompée. Pas non plus. Hop. On en est ouf. 3 communications, 2 peau, imagination, réflexion, et on va prendre le mouvement. Mais sinon. Non, sinon tu vas parler à ton père. On va y arriver. On va essayer de devenir bon ami avec ton père. Dire n'importe quoi. Faire des grimaces. On laisse s'étendre. Tu fais un câlin. Allez.
Hey, tu veux être mon ami, dépêche-toi, il part bosser. Et toujours pas pote. Et toujours pas prête. Enfin, on est potes, mais il faudrait qu'on soit super potes. Tu veux pas qu'on soit super potes? Bien n'importe quoi. Parler de... Ah bah voilà, c'est bon. Youpi. Donc pour le père, c'est validé. Il restera juste la mère. Voilà, c'est bon. Vas-y, arrête de me parler, je peux te voir. Ce soir, faudra me donner un bain, les gars. Il est comme ça. De toute façon, on va devoir partir à la garderie, je pense. Allez, hop. Allez, on va aller prendre les cubes. Et vas-y. Quand tu veux, mon gars. Et voilà, donc là, il part bosser. Et moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne sais pas. Allez, on va tenter la nounou. Soyons fous. Allez, on engage une nounou. De toute façon, le temps qu'elle se pointe, la mère va en venir. Donc, ça devrait aller. On peut peut-être me donner un bain, lui. Ah, un vieux monsieur comme ça. Ça fait bizarre, mais... Tu sais donner des bains ou pas, monsieur? Bain. Ah, si, donne-moi un bain, hein. Chelou, vous avez plus de Mary Poppins ou quoi? Vas-y, viens me donner un bain pour moi. Alors. Allez. Bonjour monsieur. Allez au bain. Allez, c'est parti. Au bain. Comme ça, quand les parents monteront ce soir, il n'y aura plus besoin... Enfin, ce sera fait, quoi. Et puis, je vais peut-être aller dormir un peu parce que je sens qu'elle est un peu fatiguée. Ouais. Je suis contente. Il est rentré du travail, magnifique, à l'école, magnifique. Bon bah tu vas jouer quand même un petit peu avant d'aller te coucher, comme ça tu seras bien naze et tu dormiras bien longtemps. Bon, lui il est crevé, ok. Hop. Un petit tour aux toilettes avant d'aller dormir. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me voit à travers le mur? Qu'est-ce qu'il est fort. C'est pas une nounou, c'est un X-Men. Il voit à travers les murs. Voilà. Un petit pipi et au dodo. Voilà, bah, la mère est rentrée, tu peux te barrer. Hein. Par contre, je sais pas comment ça se passe quand on est en autonomie totale. Est-ce que les Sims vont payer eux-mêmes leurs factures? Parce que sinon, on va se retrouver sans électricité rapidement. Hein. Je pense que... Ça va être un vrai problème, ça. On verra bien. Ça peut être fun. Bon. Allez, les gars, tout le monde au lit. Tu veux pas dormir, mon petit? Tout le monde dort, sauf toi. Voilà, puis babysitter, il squat. Il a pas de maison, il s'est cru chez lui. Voilà, c'est bon, il est revenu, tu peux te barrer. Non, on va plus faire venir la nounou, ça va leur coûter une fortune. On va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir.